Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Délégation, organisation hémisphérique, l'organisation État américain, mettez fin, nous avons visité 3 jours à faire dans le pays d'Haïti pour rejoindre une solution à la grave crise qui a traversé le pays d'Haïti depuis quelques temps. Pour le travail dans le pays d'Haïti, mission organisation État américain, je t'ai parlé 2 fois, les offres de la Madia avec le président républicain Jovenel Moïse, et bien avant de repartir, hier jeudi encore, je fais une deuxième chute à parler avec le président républicain pendant 100 tours, je suis avec différents membres dans l'opposition qui même fait ou pas que le président républicain Jovenel Moïse m'a fini depuis 7 février 2021. Et au quoi tout, le président républicain Jovenel Moïse n'a pas de capacité pour organiser l'élection en d'un pays, en établir un climat de sécurité stable pour capable garantir l'activité ça au fait comme ça droit dans le pays d'Haïti. Bien secteur démocratique et populaire, lui-même qui va participer dans la négociation ou encore dans la rencontre ça, cependant, il a acheminé un document par la commission organisation État américain qui était nous visite 3 jours en dans le pays d'Haïti. Alors que le parti politique qui s'est dans lui-même, il va participer du tout par voie en résolution par la mission organisation État américain. Selon ces visites organisation État américain dans le pays, il reste par organisation sociopolitique Vive Haïti, en Badati Bolitan, Germain lui qui critiquait l'autorité. Mandat au finir, il dit jusqu'à présent, refusé de la raison pour être libéré, peuple haïtien, dirigeant Vive Haïti. Dans la région de la Tibonite, Germain lui, dit qu'on connaît mission OEA pour apporter aucun résultat pour le peuple haïtien. Dossier coronavirus, délégation sud, dans tête collée avec la direction sanitaire, santé sud, annoncé ouverture au centre COVID-19 dans le sanatorium là, à partir du vendredi 11 juin 2021. Ça, directeur santé, fait qu'on est sorti 23 mai pour arriver hier jeudi, il y a plus de 65 personnes qui déjà testé positif à 10 autres qui déjà mouru dans le sud pays, dans la zone Okaï. Docteur Jean-Noël Buto, pas caché tête chargée les gagnants face à la multiplication de coronavirus dans le pays d'Haïti depuis plusieurs semaines. Dans ce sens, la responsabilité sur les dirigeants dans le pays, dans l'État, depuis la maladie a été paraître qui va adopter une série de mesures nécessaires qui sont appropriées pour être capable de protéger la population. Dossier VIH SIDA, ainsi que par Haïti avec plusieurs organisations internationales organisées. Hier jeudi, une journée de travail avec journalistes, avec religieux, vaudouisants, sur une campagne de sensibilisation contre maladie VIH, SIDA, que les docteurs et les formateurs ont parlé sur l'importance des médicaments anti-rétroviral, thème campagne lancée E=E, qui veut dire indétectable égale intransmissible. Dossier insécurité, il y a plus de 8 policiers qui mourent pendant le week-end qui sont passés là, pendant attaque bandit avec ZAM, t'es fait sous antenne commissariat qui est dans une zone Drouillard. Dans la police, là, d'après le réseau national qui a défendu droit Mounio, il y a plus de 32 policiers qui perdent la vie, sauf si mois janvier arrivé dans le commencement mois de juin 2021. Dossier politique, responsable bureau, avocat international, BAI exprimé tête chargée face à climat violence qui gagne dans le pays d'Haïti. Dans le moment, côté gagné, nèg exam qui a fait attaque surtout dans son sud capitale, là, dans Martissant avec Fontamara, ça qui poussait plusieurs centaines de familles abandonnées caillou, d'après le directeur exécutif BAI, Marie-Joseph, qui dénonçait le gouvernement, il dit qu'il n'a pas fait rien face avec la situation, ça. Votre parole communale, famille Lavalassa de Gonaïves, Fekir Serafin, réagit sur le dossier référendum là, où les autorités ont renvoyé pour une date qu'il faut qu'on fixe. Fekir Serafin, il était déjà connu, autorité pas capable de faire référendum là, parce que le gouvernement n'a pas de support population. Ancien député Antoine Arrodo bien-aimé lancé appel pour capable de rapprocher la mobilisation sur le territoire national là, malgré autorité reportée date pour faire référendum là. D'après les populations, d'a de profiter date 27 juin pour capable mettre un bout avec projet ça et puis pour chasser le président républicain Jovenel Moïse dans le pouvoir. La fin du journal la bonne national numéro 1 était bloqué dans matin jeudi 10 juin 2021 dans niveau pont Godin dans Gonaïves. Directeur TPDC dans le département de la Tibonite là, ingénieur Blondo Divin était déplacé pour aller connaître pour qui raison. Chauffeur, camion TPTC, yo même, yo te bloqué, outil là.
chauffeur ça yo qui tape moment de sécurité en dans pays hein, parce que yo même tout yo victime de zak insécurité qui a fait tribori pa bo en dans pays hein. Et information qui veut joindre nous fait croire que diverses fois route bloquée dans zone Goumon et c'est à gros coup de zam que moun yo bloqué zone nan en pile moun qui gros calibre dans main yo y a demandé pour faire route Goumon nan ba yo comme ça doit. Donc chauffeur de camion de PTC yo même senti vie menacé face à insécurité en Cap Valais dans le pays hein. Le senti yo cap victime même avec tout moun yo mandé pour que yo ba sécurité dans le pays hein. Dans sens ça yo t'a bloqué Pont Godin route nationale numéro 1 dans niveau Pont Godin. Directeur départemental TPTC qui dit même t'es rendu sur place pour t'al constater ça qui a passé qui fait camion travaux publics t'es couché en croix dans zone Pont Godin. Et Gérard Blondeau et Divin qui t'es parlé avec collaborateur noir Alain Etienne t'es porté précision sur ça qui t'a passé elle t'es profité parler sur l'autre travail qui a fait dans région. En écoutez ingénieur Blondeau Divin. Pour le début route nationale la bloqué les concernés aussi. Juste moi venu pour me garder, pour me condoléer ensio, pour nous voir qui ça, qui a connu qu'à avec monsieur pour te la débloquer. Nous venons parler avec monsieur et pour faciliter la circulation normalement. Non, mais dans ce moment-là, on a travaillé avec Anifis. Pendant que nous avons travaillé avec Anifis, le monde qui est plus devant là, qui lui a bloqué. Je me dis que le problème aujourd'hui, il n'est pas savoué. Il faut que nous cherchions à identifier le problème. C'est comme si chaque vagabond lève un jour, il finit de boire des bouteilles éclairées, il nous faut bloquer août. Elle dit, nous ne pouvons pas continuer comme ça. On va comprendre? Elle dit, mon Anifis, elle dit, c'est août. Jeudi, nous faisons deux équipes. Une équipe Anifis, une équipe qui m'a osé, qui pourra joindre tout le monde qui pourra aller au monde. L'équipe Anifis a vu au monde tout. Mais dans une minute, on parle là, mais on dit, un simple citoyen élevé plus haut, il dit oui, c'est là, il vient travailler, il bloque en haut, il est bloqué plus haut là. Est-ce que vous pensez que nous travaillons comme ça? Comment est l'avancement? Oui, exactement. Bon, on a avancé normalement. Couche de fondation qu'a fait, nous avons asphaltage qu'a fait, il faut que toute semaine passée, nous avons asphalté en dans ville Goumon et qui a un problème d'eau que nous avons plein et nous résoudre. Et c'est chaque jour que nous problème différent sur route là, c'est chaque jour. Et je dis à un problème qui va en haut du route là bloqué, je dis à pas problème route. Parce que exactement, nous là, c'est dans la même zone de travail là. Bon, il faut qu'on cherche à identifier le problème, parce que nous ne pas continuer dans le vagabondage à tout le temps. Normalement, pas oublier ça, c'était un projet. Et nous faisons ça capable. Premier tranche, nous travaillons pour lui. On est en attente que l'État fait des questions pour deuxième tranche pour nous continuer à travailler. Normalement, job pas nous même en tant que travaux publics. Nous faisons, si vous regardez sous bien là, après nous avons un pelle qui là, qui pour tuer le canal là. Vous comprenez? Je dis à l'Américain job, moi je job pas. Je dis à c'était politique qui a fait, c'était remonté, moi l'aurait il y a besoin d'appui. Tant que si vous n'avez pas de matériel, il y a besoin de camion prêté. Vous comprenez au camion. Mais je dis à pas oublier tout. Je travaille pas bon faire. Et même j'aime ce doux là, déjà un pelle mécanique qui sous bien là, qui pour curer le canal là. Moi, par contre, qui travaille, qui l'autre travaille, il y a besoin de le faire. Par contre, il travaille pas mieux. Mais pas mieux, m'a fait au moins pour la veille. Malo, si on a des gens qui ferment, nous avons déjà un pelle sous bien là, nous avons qu'à venir sur le DPGA. Et nous avons bien pour nous curer tout canal qui mérite curio. Au moins, on avance à plus grave. Bon, il vient là, c'est agriculture qui a venu pour intervenir sur lui. Faut que moi, je dis, c'est un agenda. Si nous avons asphalté tout le route naïve qui est là pour nous faire tout pour marcher, sous béton, sous asphalte, nous t'appelle. Mais on est fort pour dire, un avant dit deux, nous avons côté, nous commencer. Je dis à Fondi, pas bien, c'est pas de fête, les fêtes. Je dis à nous sur le DPG, nous avons fait au DPG, nous allons d'asphalte sous OGA, n'a bien pour le mettre dans l'humain quasi, mais ensuite, jusqu'à ce niveau sous Mounion, nous disons, mais bloc de la souké. Les auditeurs, j'en connais déjà, une délégation, organisation hémisphérique, l'organisation État américain, mettez fin à une visite 3 jours d'affaires faire dans le pays d'Haïti pour essayer de jouer une solution à grave crise qui a traversé le pays d'Haïti depuis quelques temps. Bien bon, mardi, qui s'est passé là, il était rentré dans le pays, hein, délégation OEA, j'ai parlé avec le président de la République, Jean-Pierre Moïse, sous question de sécurité avec urgence sanitaire, d'après un tweet président de Santé dehors. Commission ça, dans le pays de journée, t'as le chita, ensemble avec plusieurs membres, dans la branche, dans l'opposition, pour être capable des situations politiques pays d'Haïti. Dans ce sens, Nabzou gagné président qui annonçait rencontre que le gagné ensemble avec l'organisation État américain que le président républicain Jovenel Moïse était accompagné même équipe lui a rencontré le palais national pour une deuxième fois hier jeudi 10 juillet 2021 m'ambition conseil permanent organisation État américain yo organe hémisphérique ça qui propose cette tête pour venir aider jeune solution dans crise qu'a traversé pays d'Haïti. Sur compte Twitter chef l'État, ils font résumé deux points qui étaient discutés en mi-temps rencontre là avec mission OEA, monter une deuxième rencontre la veille, m'était passé en revue position
qui affichait plusieurs secteurs dans la société. Hein. Dans le temps d'entretien, je me rappelé à l'organisation État américain que l'élection aurait été voie incontournable pour la démocratie capable de survivre en dans le pays d'Haïti. D'après tweet ça que le président mettait dehors. Le président allait plus loin, dans même tweet ça pour dire, remercier l'organisation État américain pour présence dans le pays hein, malgré la pandémie coronavirus. Là. Elle profite également pour solliciter support organisation hein, dans le cadre d'organisation élection capable pour faire dans le pays, hein, notamment sous plan sécuritaire. L'implication OEA dans le processus là, à capital, d'après ça, nous avons dit. D'après Alebourg, que mission ça, qui devait durer 3 jours, soit 8 pour 10 juillet 2021, composé de représentants permanents. Pour bon côté, organisation État américain, qui c'est Canada, Costa Rica, Équateur, Saint-Vincent et Grenadine, les États-Unis, avec appui secrétariat général OEA et un représentant spécial, secrétaire général, organisation État américain, dans le pays d'Haïti. Visite organisation État américain dans le pays, en pile le fait camper, grand pile parler en pile la dernière, gagné responsable organisation socio-politique Vive Haïti, dans la Tibonite Germain lui qui critiquait autorité que madame fini dans tête pays jusqu'à présent refusé tendre la raison pour la libérer peuple haïtien. Dirigeant Vive Haïti dans la région Germain lui disait qu'il connaît que mission OEA pas apporté aucun résultat pour peuple haïtien pendant demander population pour gonfler point dans l'idée pour continuer bataille pour retirer équipe PHTK dans tête pays d'Haïti. Milson Madeus. Coordonnateur organisation sociopolitique Vive Haïti dans région Germain lui, li saisi ouais jusqu'à présent. Président mandat fini, Jovenel Moïse continue à faire peuple haïtien souffrir dans une insécurité totale. Dirigeant Vive Haïti Germain lui dit pas de prêt au sérieux visite délégation OEA dans pays a selon lui, OEA c'est une entité qui la cause pays a trouvé dans sa lié journée jodi a n'a supporté pouvoir PHTK aveuglement. Encore une fois, nous encourager de groupes soit qui t'ai choisi rencontrer l'OEA physiquement ou du moins qui t'ai voyé de mot d'ordre pour bay position claire par rapport avec Rizan. Encore une fois, nous féliciter et nous encourager yo. Donc c'est une occasion en plus pour nous dire avec l'organisation et des États américains que situation que nous vivons là, yo pas innocent la donne. Situation que nous vivons là, insécurité, corruption, impunité, inflation, c'est-à-dire que yo contribuent dans mettre nous dans ça. Parce que c'est yo même qui était clairement 7 février, yo dit que mandat Jovenel Moïse pas bout, alors que constitution reconnaît en son article 239 dans le décret électoral, là, reconnaître que mandat Jovenel Moïse bout, mais c'est l'OEA qui était continué à supporter Jovenel Moïse au-delà du 7 février 2020. C'est l'OEA encore une fois qui était encouragé pouvoir en place là pour soutenir et Genève en famille et alliés. Coordonnateur organisation sociopolitique Vive Haïti, Germain lui, félicité peuple haïtien pour Jean Lidi yoté campé contre le référendum 27 juin. Pendant le mandat, la population pour être mobilisée jusqu'à ce que Yorivé mette d'eau et qui PHTK internet. Merci, Madeus. Toujours dans le cadre de mission organisation État américain, yo. Ancien sénateur Yuri Latortue, ensemble avec Sorel Jacinthe, dio soumettre par délégation OEA, liste revendication TIRPOD, qui gagne la dernière, dossier prisonnier politique, yo. Yo fait qu'on a toujours déclaré, pendant rencontre ça, que au prêt, pour engager dialogue avec tout secteur dans la vie nationale, là, à condition, yo mettez sous table, là, question départ, président république, là, Jovenel Moïse. On a vu de côté, ancien sénateur Sorel Jacinthe, avec ancien sénateur Yuri Latortue. 3h10 à 5h moins 5, eh ben, il y a parlé de comment Jovenel doit aller. Est-ce que, si gon commission de facilitation, est-ce que nous, d'accord, nous disons depuis Jovenel aller, nous prêts avec tout secteur en d'un pays, l'opposition compris, pour nous joindre aux solutions. Et, pour me répondre directement, de 3h10 à 5h moins, eh bien, question a changé. OEA a commencé à dire, Lila, nous sommes membres, il est venu s'informer et Albaï Rapoli et pour connaître qui solution ensemble nous capables de mettre. Sous question OEA, il y a des gens qui te fait présence physique, il y a des gens qui fait présence par écrit. Donc, secteur démocratique, là, il voyait dire exactement ça le devait dire, eh bien, dire votre déplacé, il dit ça le devait dire. Le OEA te vient parler de l'élection, nous te dit non. Et nous te dit que, bon crise, et que le premier point de la résolution de la crise, c'est le départ du Jovenel Moïse. Mais sans ça,
OEA te vin ap gade question on l'autre champ. Mais pas oublier, il y a plusieurs groupes pour le rencontrer, c'est pas un seul groupe que t'a rencontré. Donc l'idée à 5 heures d'a recevoir on le groupe jeudi à. Donc nous pensons que il y a fait justement une idée de crise là, puisque fois ça c'est des documents, c'est des papiers que nous te remettons, et nous pensons immédiatement que vous faites idée, vous pouvez aller dans le sens de l'histoire. Écoutez, nous gagnons environ 6 entités politiques. Il y a une certaine évolution qui fait dans l'avancement de la crise là. Et je dis à nous réunir, des grandes commissions qui ont rencontré et mécènes, qui parlent avec elle, m'a dit réponse mécènes. L'IPAP jamais constitué un obstacle à la résolution de la crise là. Et nous avons pris acte de cela. Vous avez écouté l'ancien sénateur Sorel Jacinthe avec Yuri Latortue qui a réagi sur un contre avec l'organisation État américain. Dirigeant parti en avant, l'ancien député Jerry Tardieu qui a rencontré avec mes organisations État américain OEA, fait qu'on est discuté au Téchita sous référendum constitutionnel. Président républicain Jovenel Moïse voulait imposer population. Position difficile population, non série de quartiers, dans la capitale, à vivre, Koumatissan, Fontamara, à Cité Soleil. Jerry Tardieu continue pour une solution à la crise pays d'Haïti qui doit passer par un dialogue entre différents acteurs dans la vie nationale. Il dit que la communauté internationale là comme un simple observateur. Jerry Tardieu. Mission ça a rentré dans un contexte difficile. Et pays a presque tout le monde cadavre, insécurité, corruption, massacre, on connaît comme tout problème. La richesse, toute institution pays a crasé, sous la graba. Police nationale en déroute, jeunesse la partie. Donc en fait, nous pensons que crise la totale. Ça rappelait nous le début du 20e siècle, entre 1900 et 1910, côté Tekako, ça veut dire une bonne armée qui a décidé qui est-ce pour faire politique, qui est-ce Haïti et côté Haïti pour aller. Donc nous n'avons qu'à faire difficile côté que nous obligés pour la responsabilité. Or comme nous-mêmes, bon, nous pas fait blanc, nous pas fait étranger, nous toujours campé vertical, nous avons une position nous très ferme, nous pensons que c'est une occasion unique pour nous rencontrer la communauté internationale là, donc l'OEA 4G contre Manti Kaba, pour nous expliquer au mec qui vérité qui vient sous dossier haïtien. Parce que nous ne connaissons pas l'ambassade de ça, qui s'est recevoir comme information côté OEA dans Washington. Donc nous-mêmes, nous sommes assurés nous, que nous chitons devant eux et que nous expliquons situation pays. Nous avons profité de passer plusieurs messages. Il y en a d'un d'abord, c'est que nous avons dénoncé le référendum tête en bas que vous voulez imposer nous et nous connaissons pas constitutionnel, il pas légal, il pas populaire, il pas légitime. Nous avons profité et parler autour de ce qui a passé. Drame, famille, nos frères, nos scènes, dans Matissan, dans Fontamara, dans Kafou, dans Soleil. Ça a été important pour nous attirer l'attention de la communauté internationale. Bien entendu, nous avons profité tout pour nous parler de un accord historique que six structures politiques signées l'autre jour. C'est accord politique 5 juin pour sortir de crise qui a pour ambition pour nous mettre sous table et une formule pour nous sortir du pays dans 4 combats côté de retrouver le jour et jour. Nous-mêmes, nous avons près de 3 heures de temps d'horloge pour nous parler avec. Donc, ce n'est pas une conversation superficielle. Une conversation côté nous entrer en dans la question. Vous avez écouté ancien député de Pétionville. Jerry Tardieu, qui est responsable parti politique en avant, lui-même qui t'a porté précision sur un compte de gain ensemble avec mission organisation État américain qui était en visite dans le pays d'Haïti pendant 3 jours. Nous avons été fin avec hier, de commencer 8 pour finir 10 juin 2021. Nous avons quitté le dossier OEA, nous allons parler coronavirus. Connaissent son maladie qui a fait un pile ravage pour l'instant dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs monde qui déjà victimes en bas maladie ça. Il y a un journaliste qui frappé mais je dis un journaliste Esther Dorestal Alexis qui c'est madame ancien secrétaire d'État pour communication dans le gouvernement Jovenel Moïse là, qui lui-même victime en bas coronavirus là. N'a pas tourné avec dossier ça pour, mais en attendant, n'a pas une délégation sud dans tête collée avec direction sanitaire santé sud là, annoncé ouverture centre COVID-19 dans sanatorium dans ville Okaï. Vendredi 11 juin 2021, directeur santé sud là, fait qu'on est, sorti 23 mai pour arriver. Hier, jeudi, il y a 65 personnes qui déjà testé positif dans le département sud, particulièrement dans la ville Okaï. Il y a 10 stades qui déjà perdu la vie. Rosbert Adenestan, c'est correspondant à Radio Pyramide dans le département sud. Après un pile critique, autorité sanitaire, dans tête collée avec délégation sud, annoncé une jeune autorisation pour ouvrir centre traitement maladie infectieuse sanatorium. Nan. Dans le cadre d'une rencontre avec la presse, journée jeudi 10 juin 2021, directeur sanitaire sud-là, Dr. Jean-Bernard Février, fait connaître la situation a commencé à la menthe dans le département.
Côté sorti 23 mai pour arriver journée jodi a, gen 69 moun ki testé positif à kon dizaine lot ki déjà perdu la vie yo. Docteur Jean-Bernard Février mandé citoyen yo continuer appliquer tout principe yo. De 23 mai à nos jours, statistiquement nous gen 467 qui fait dans 467 là, gen 69 qui positif là-dedans. Et nous gagnons 10 décès dans le sud. C'est pour nous dire que nos populations sont en situation qui est très alarmante, très inquiétante. C'est ça qui fait nous-mêmes autorités dans le sud. Nous avons pris des dispositions avec support au destin ministère, avec l'exécutif là, pour nous prendre des mesures appropriées. Une disposition que nous avons pris dans le sud, c'était remobiliser l'équipe que nous avons qui était en formation. La disposition que nous avons pris, l'hôpital général, nous aménageons un espace, côté qui gagne 8 lits, depuis une semaine pour nous assurer prise en charge COVID en attendant que nous réouvrions le sanatorium. Disposition qui prend dès demain, sanatorium à opérationnel, qui a une capacité de 40 lits avec personnel, médicaments et oxygène ou éléments extrêmement importants. Poser question sous prise en charge, yo, directeur sanitaire Sudland dit département gen oxygène disponible et puis gen technicien qui a préparé générateur d'oxygène lan qui était tombé en panne. Faut que nous dit même si cas contamination yo a augmenté dans département Sudland, majorité population pas respecté principe barrière yo. Depuis Villoca et département Sud, Rosbert Adenestan, Radio Pyramide. Merci Rosberta. Docteur Jean-Enol Buteau, pas caché tête chargée les gagnants, face avec multiplication, cas coronavirus dans le pays, hein. Depuis plusieurs semaines, il a des responsabilités, ça, sous dos, dirigeant dans l'État, qui depuis la maladie, hein, te paraît, qui va adopter aucune mesure nécessaire pour être capable de porter la population en secours. Docteur Buteau, dit, il gagne un gros qui est cassé, face à la situation qui gagne là, Capune piment chaque jour, du plus, dans son salle, invite la population pour être capable de respecter toutes mesures qui sont nécessaires pour barrer route ensemble avec le coronavirus. Le coronavirus, l'année dernière, c'est ben nous un champ. Puisque là, nous avons constaté nous-mêmes, nous avons dans pile l'autre gros pays qui gagne tout moyen technologique, tout système de santé qui est suffisamment bien équipé. Yo même malheureusement, yo te a compté en pile décès de coronavirus, mais nous-mêmes coronavirus te épargné. Jusqu'à présent, gagnent des hypothèses, mais en réalité nous pouvons jamais qu'a dit clairement qui raison qui fait que coronavirus pas fait en pile dégâts bon côté pan. Mais en fait, le fait c'est que maladie li là, il était toujours présent dans le pays d'Haïti. Mais il était réduit considérablement à tel point que nous compte passer des mois côté que MSPP pas joint un cas positif. Mais le fait que le coronavirus lui-même n'est pas de jambes disparaître à l'échelle planétaire dans tout le monde là, et virus là lui-même, puisque n'a parlé du virus, donc ça veut dire son microbe qui gagne en capacité pour capable modifier, pour capable subir des mutations. Et mutation yo, lorsque vous faites, yo capable aller dans le bon sens là, côté virus là lui-même lui vient moins et virulent, moins méchant. Le fait que nous te prenons premier vague là, nous pas de rien, en pile monde qui était décédé, nous pas de des cas, nous pas de débordé, mais variant pas venu dans le même sac, malheureusement, qui fait que je ne veux dire n'a pas compté en pile cas de décès de coronavirus. Face à mutation que virus a lui-même lui subi là, nous faut qu'a dit que jeune yo même yo épargné complètement. Cependant, le constat c'est que tout le monde qui a mouru là-haut, c'est des monde qui gagnent des comorbidités. Au monde qui souffre l'autre maladie, côté que coronavirus la vini, il joue avec eux et puis il vient faire plus de dégâts. C'est-à-dire, c'est pas coronavirus en soi qui provoque la mort, mais c'est l'autre maladie que moun gagne qui vient dégénérer à cause de présence de infection virale, ça qui c'est coronavirus. Ça veut dire que personne monde je dis capable dit être épargné. Donc c'est nous tous qui pour redoubler d'efforts, tout citoyen dans le pays d'Haïti qui est conscient que maladie li ou là et li pi méchant, et faut que nous continuer à appliquer même principe nous t'ai toujours à dire, au contraire avec beaucoup plus de rigueur, masque la femme va déposer le même régulièrement et puis nos côtés bien monde. Donc faut que nous mettons main tout bureau institution publique ou privée, exiger monde de mettre masque les apporter l'institution, mettez espace pour laver mains yo, et faut population songer que laver mains lui-même n'est pas qu'à remplacer rien, pas qu'à remplacer, donc laver mains régulièrement.
et le ne pas gagner l'eau disponible, utiliser solution alcool pour désinfecter et pas oublier toujours qu'un B distance 1m50 là. Nous t'es gain victoire sous lui, nous avons toujours gain victoire, mais c'est dans tête ensemble, c'est dans solidarité pour victoire là, lui-même, est capable d'arriver. Vous t'a écouté, docteur Jean-Enel Buteau, qui t'a parlé sur quel cas c'est au gagnant face à évolution coronavirus dans le pays, il croit l'État haïtien pas prendre aucune disposition qui est nécessaire pour protéger la population depuis la maladie a commencé à entrer en dans le pays. Dans le bout de ce coronavirus, il y a plusieurs monde qui déjà au calibre qui perdent la vie dans le coronavirus, les monde qui gagnent dans le pays. Parmi eux, dit Monseigneur Sylvain Ducange, lui-même qui perdu la vie, il y a un recteur avec vice-recteur de l'université épiscopale qui ont même déjà décédé dans la maladie coronavirus. Donc son situation qui est très compliquée dans le pays, concernant les gens, les auditeurs, ils prennent pile précaution pour adopter tout geste barrière de façon à ce que vous soyez capable de protéger tête contre le coronavirus. On a profité d'annoncer jeudi vendredi 11 juin 2021 que funérailles maître Chesnel Pierre, directeur général ONA, lui-même que funérailles a chanté dans l'église Saint-Pierre Pétionville. Illumination a fait dans parc du souvenir dans Port-au-Prince. N'a fait aller dans le sens ça depuis hier jeudi, il y a pile activité qui fait dans ville Godaïve pour marquer départ directeur général ONA et particulièrement Bartolo avocat dans ville Gonaïve pendant 5 ans gagné parti politique assez lui-même qui chantait on veut funèbre dans bureau parti politique là qui sur route Gatro pour saluer départ Kadza qui c'est maître Chesnel Pierre gagné Rotary Club International lui-même tour qui organise activité hier jeudi pour marquer départ maître Chesnel Pierre qui était membre Rotary même Jean Barolo d'avocat dans Gonaïve même tour il grand pile activité commencé faire depuis hier soir et jeudi a encore une grosse cérémonie qu'a fait pour marquer départ maître Chesnel Pierre qui mourut à l'âge de 55 ans, lui qui était derrière lui trois petites, deux garçons avec une fille et il qui était famille dans la peine, ça fait un pile monde à crier départ maître Chesnel Pierre qui était directeur général Office National d'Assurance Vieillesse, n'a tout signalé un nouveau directeur qui nommé par intérim pour venir remplacer maître Chesnel Pierre qui mourut dans date 22 mai 2021 passé. Jemley Marc Jean-Baptiste, c'est nouveau directeur général AI dans l'ONA qui nommé par arrêté présidentiel pendant semaine ça pour venir remplacer maître Chesnel Pierre, Jean Zodécha qui perdu la vie dans date 22 mai 2021. Avec dossier santé, nous allons parler de sida. Avec ça, nous allons démarrer le deuxième traitement. Bonjour, Institut Pamos, Caraïbes, avec plusieurs organisations internationales, organisées une journée de travail avec journalistes religieux, vaudouisants, sous campagne sensibilisation contre maladie VIH, là, hier jeudi 10 juin 2021. Docteur, avec formateur, t'es parlé sur importance médicaments antirétroviral, yo. Thème campagnant, c'est E égale E qui veut dire indétectable égale intransmissible. Docteur Belmer Emmanuel, qui tape, animé journée ça fait qu'on est yo moun qui infecté à germ VIH là depuis les premiers médicaments antirétroviral yo ARV après quelques temps moun qui infecté à germ VIH là avin indétectable qui veut dire il pas capable transmettre l'autre moun virus VIH là parce que l'a produit dans son nez. Docteur Belmer Emmanuel a posé précision dans micro Alain Etienne. Ok, donc dans le cadre de campagne E égale E, qui veut dire indétectable égale intransmissible, c'est une campagne que le ministère de la Santé publique lancé dans tout le pays grâce à le financement PEFA et USAID. Et qui sa campagne E égale EAE, c'est que les gens qui sont infectés avec germe VIH, s'ils prennent des médicaments, qui sont les médicaments antirétroviral à l'ARV, après quelques temps sous médicaments, moun ki infecté avec germe VIH là a vinn indétectable. Ça veut dire les a fait un examen qui est le test charge virale pour mesurer quantité virus VIH qui dans sang, virus yo a vinn indétectable. Et là un moun qui infecté avec germe VIH qui toujours prend médicament, rive dans niveau indétectable, l'a ka vivre longtemps en bonne santé. Et deuxièmement, moun ki infecté avec germe VIH là qui est détectable là, même s'il a fait bagarre avec ménage li, mari ou partenaire sexuel li, sans va ta mettre capote, li pa ka transmettre germe VIH là bay partenaire sexuel li. Et c'est ça nous relé indétectable égal et transmissible. Ça veut dire
y a un monde qui infecté jam VIH qui prend médicament ARV qui révèle indétectable li pa ka transmet jam VIH ba aucun autre monde n'a fait bagaille. Et c'est même genre tout pour une femme enceinte, même si femme n'a gen jam VIH là, si li prend médicament li indétectable, la fait petite li sans que petite là pas infecté avec jam VIH là, parce que E égale E veut dire indétectable égale intransmissible. Donc c'était dans le cadre de ça, dans le cadre de campagne E égale ESA, nous étions dans le département de la Tibonite pour des formations pour journalistes avec leader religieux. Pour qui ça c'est journalistes avec leader religieux qui nous avons choisi? C'est parce que nous connaissons journalistes avec leader religieux. Il y a ces gens dans la société qui ont fait plus confiance. Il y a ces gens dans la société qui ont tendu plus. Et c'est un monde dans la société à tout qui a pile influence sur la population. Donc nous pensons, au niveau du ministère de la Santé publique, au niveau PANAS, que journalistes avec des religieux, c'est des outils et canaux de communication qui sont plus importants que nous devons utiliser pour faire message espoir, E égale E, et détectable égale et accessible à arriver dans tout le monde dans la société, pour encourager les gens. Les gens qui sont infectés prennent des médicaments pour qu'ils viennent détectables. Et surtout, nous avons besoin pour les journalistes avec les religieux aider nous combattre la discrimination que les gens qui sont infectés avec le VIH vivent. Après formation, ça, attendons nous, ni ministre de la Santé publique, nous même dans la PANAS, nous espérons que y ait plus de monde qui arrivent à connaître que les médicaments qui sont là pour les gens qui sont infectés avec le VIH pour ne pas prendre des médicaments pour qu'ils vivent longtemps. Nous espérons tout que grand pile monde qui était sous médicament, qui était découragé, les auteurs de messages ça à travers journalistes et leaders religieux, il a retourné sous médicament et les auteurs de sous médicament, il a venu détectable, il a pu vivre longtemps en bonne santé. Et surtout, nous espérons que la communauté a connaît que les monde qui infecté avec le VIH, la ville pas fini pour ça, il a vivre longtemps et monde ça pas représenter aucune menace pour transférer le VIH dans la communauté encore. Parce que indétectable égal est très spécifique. Plus loin, responsable de communication dans l'Institut PANAS, Kossi Roosevelt, profite à TDSA qui fête hier jeudi 10 juillet 2021 pour rappeler à journalistes, aux leaders religieux, l'importance de la communication dans le cadre de la maladie VIH-SIDA. Côté de parler, sur E égale E, il dit qu'il y a une possibilité pour réduire le virus et puis sensibiliser la population pour prendre médicaments contre la maladie. L'autre côté, responsable communication, Kossi Roosevelt, t'es tout profité, parler sous technique essentielle, communication, pour capable faire passer information sous santé, spécialement sous campagne E égale E, hein, cap fait dans le pays d'Haïti. Kossi Roosevelt. T'as essayé profiter de atelier de formation, hein, avec journalistes et puis leaders religieux, pour nous, rappeler importance communication dans le cadre de campagne égale E, hein. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de ça que PANAS, Caraïbes, Institut PANAS, de concert avec Cypress, Fondation Cerovie, nous réunis dans l'hôpital de la Providence, dans la salle conférence, non, pour nous capables non seulement parler à communauté de campagne égale EA, mais maintenant pour nous capables et rappeler journalistes et les techniques essentielles de communication pour capables mieux faire passer information sous santé en général et en particulier sous campagne égale EA et indétectable égale intransmissible qu'a fait dans le pays et c'est Institut PANAS qui a exécuté grâce à un support bourrat de l'argent PEPFA et USAID et c'est une campagne qu'a fait sous supervision ministère de santé publique à population et PNLS qui c'est le programme national de lutte contre le sida. Donc moi je suis content là avec confrères journalistes moi, je suis content là avec leaders religieux parce que journalistes yo ont un rôle important à jouer dans sensibilisation dans bay bon genre information et leaders religieux tout yo important pour nous parce que yo vraiment gain de bonne influence sous communauté hein, pour dire VIH, accident, question ARV hein, pour encourager les gens qui sont infectés pour ARV. Jean-Docteur Mandel pour prendre chaque jour régulièrement pour être indétectable. Et depuis indétectable, il est en bonne santé, il est intransmissible, c'est-à-dire qu'il va transmettre j'aime VIH là. By l'autre. Certainement, puisque nous habitués avec des professionnels tant que nous, c'est sûr que après et rencontre ça,
non seulement nous pral bail et information qui ont aspect factuel, mais nous pral utiliser ensemble de documents que nous baillo, ensemble de interventions qui fait là yo pour nous capable faire des reportages beaucoup plus avancés, hein, pour nous expliquer moun yo campagne égale air, pour nous expliquer moun yo importance ARV antirétroviral, non seulement pour PVVIH, pour toute communauté, parce que à chaque temps qu'on moun qui vient indétectable sont en forme de protection pour communauté. Nous gagnons un objectif qui c'est objectif des 3,95 pour que avant 2030 ou bien d'ici 2030 95% moun nan pays a kon statut sérologique yo, pour kon si yo séropositif ou bien séronégatif, et 95% moun ki séropositif yo pour yo sous ARV, et 95% moun ki sous ARV yo pour yo capable vin indétectable. Donc c'est objectif là pour nous atteindre avant ou du moins d'ici 2030. On a écouté Kossi Roosevelt qui est responsable communication dans Institut Panos Haïti. N'a pas parlé d'insécurité pour nous dire qu'il y a plus passé 8 policiers qui mourent pendant le week-end qui sont passés là dans l'attaque bandit exam fait dans l'antenne Drouyal ensemble avec plusieurs autres sous-commissariats police dans la zone métropolitaine. D'après un rapport réseau national qui a défendu droit pour nous, RNDDH fait de dehors. RNDDH fait qu'on a gagné chef poste antenne Drouyal Mirabel Adolphe, qui c'est petit gonaïve nous déjà, qui mourit, gagne trois autres policiers tout, également qui mourit, yon mette 10 feux sur yon dans le commissariat Saint-Joseph, là. 4 agents brigade d'intervention, commissariat Port-au-Prince, qui était dans patrouille, mourit en babal bandit, sous Grand Rue, Port-au-Prince, toujours d'après RNDDH, qui révèle qu'il y a plus passé 32 policiers, qui mourit sorti mois de janvier 2021, pour arriver commencement mois de juin 2021, sans que l'État haïtien, ou encore la police, n'a pas fait un canadien, pour résoudre le problème insécurité capable de terrain chaque jour en dans pays d'Haïti. Pierre Espérance, c'est directeur exécutif RNDDH. Dans le week-end, il y a pour pipiti 9 sous-commissariats qui affectés et il y a là-dedans qui occupé par Genève. C'est Genève qui attaqué qui fait plusieurs victimes. Il y a sous-commissariat Matissan qui a été attaqué le 1er juin qui a abandonné ça. Nous pas qu'à dire, c'est Genève, c'est une gang, une trois gangs, qui a boumé, qui a attaqué. Et puis, vous venez gagner le 5 juin, vous venez sous-commissariat du centenaire, et 5 juin encore, station Gonaïve, qui est sous-commissariat, même 5 juin, vous venez dans la zone du Vivier, Boy, Société Soleil, et puis, nous t'ai parlé des Drouillards, et 5 juin, même samedi 5 juin, vous venez à Azo, et puis 5 juin toujours, vous venez Sierra 2, c'est dans Cité Soleil. Et le 6 juin 2021, où il y a un portail Saint-Joseph. Mais dans le portail Saint-Joseph, là, il y a trois policiers crachés, biffés, boulés. Et puis, où il y a le 7 juin, aéroport, antenne, zone 3 mai. Ça fait au total 9 postes police qui attaqués et saccagés par Genève. Et dans 9 postes, il y a 7 qui sous contrôle Genève. Ça qui sous contrôle yo, Bicentenaire, Station Gonaïve, Vivier, Douya, Kazo, ça fait 5, Sierra, ça fait 6, et Portail, Saint-Joseph, ça fait 7. Jusqu'au moment qu'on a parlé avec voilà, c'est des nègres civils qui occupaient. Mais pas aucun effort, policier, pas de renfort tout, et pas aucune disposition qui prend, bon côté responsable dans la police, pour récupérer équipement, matériel, la police, armes, tout ça qu'on a qui est saisi, les bandits à la avec eux, et dans ce commissariat, ça gagne, yon, nandouya, et puis après ça, les trois policiers, dans Portail, Saint-Joseph, moi je dis ça fait 4, et puis après ça, il y a des autres policiers qui ont patrouillé sous Grand Rue, il y a 4 qui ont tiré, ça fait 8 policiers. Mais et sous mon la population qui est victime dans le week-end qui s'est passé à Kessé Badelma, parce que Badelma a été agité en pile, et puis sous le premier pour le 5 juin, nous pas de chiffre quantité de monde qui mourit parce que zone ça y yo pas accessible et la police pas présente et pas de monde qui capable d'aller dans zone ça y pour aller vérifier. Bon, moi pense que c'est celle par le national qui est capable pour qui ça, tout attaque ça. C'est celle, peut-être la police à CSPNA qui est capable de dire. Parce que, pas oublier, nous-mêmes dans la RNDDH, nous avons dénoncé, et depuis 2018,
yon pouvoir qui fait alliance avec bandi, gang yon fait massacre, pouvoir banaliser la vie moun, tout le monde capable constater, la police a affaibli, policier a mouri, déjà 32 policiers qui mouri à DEA, par insécurité, massacre a fait, kidnapping, violation systématique droit moun, l'État fait un sel avec bandio pour massacrer, terroriser population. Sorti mois janvier 2021, pour arriver 6 juin 2021, gagnant 32 policiers qui tombaient en bas-balle, bandits sans foi ni loi. Vous avez écouté Pierre Espérance, toujours dans le dossier politique, nous allons parler, des responsables bureau, avocat international, BAI, qui exprime d'être chargé face à climat, violence, qui gagne dans le pays. Dans le moment, quand il y a un exam, qui a fait attaque, surtout dans le sud capital, ça qui poussait plusieurs centaines de familles à abandonner Kayo. Directeur exécutif BAI, M. Marie-Joseph dénoncé, gouvernement, lui dit, qui pas fait un yen face avec situation ça. Mais Joseph a été salué, le fait que le référendum n'a reporté dans son salon des populations pour capable rester mobilisé, pour capable camper en croix contre projet référendum que Jovenel Moïse veut faire coûte que coûte en d'un pays. Maître Mario Joseph. BAI a voyé tout d'abord ses patils par plusieurs centaines de familles dans la troisième circonscription Port-au-Prince, et spécialement Moun Matissan ak Fontamara, qui obligé déplacer quitter la Kayo, quartier yo. Y aurait laissé dans droit déplacement forcé sur incrimination lié. Pour réfugier dans conditions dégradantes, humiliant, inhumaine dans la rue ou bien dans espace qui pas aménagé pour ça à cause plusieurs groupes gang armés proche pouvoir a goumé pour tête régime criminel Jovenel Moïse là et pour rester dans notre pays bail un paquet de groupes gang plus moyen l'argent à l'autre avantage l'administration publique là et pour passer au l'autre pour faire crime BAI indigné face à comportement passif, régime criminel PHTK devant Zak Babarisayo, côté même droit à la vie population troisième circonscription, passé en bas pied, dans indifférence totale régime criminel. Surtout, la considérée autorité de facto, te gen même comportement passif, ça, les massacres la Saline, pendant un paquet de série massacres, tant que Belé, Riel Maya, Tokyo et la Trier. Pendant une série massacre dans Cité Soleil, pour nous citer seulement ça. Yon là-bas, BAI salue victoire massio à la société civile-là, fait poté contre régime criminel corrompu, rétrograde PHTK, qui te voulait faire Kadejak sous constitution 1987, là. Dans le cadre d'un référendum inconstitutionnel pour t'établir un régime boudi dans le pays, pour qu'un système pesé sous ses, et puis baille barrière libre avec blanc raciste, puissance occidentale, pour te venir piller en bas de pays. Pour nous finir, BAI a demandé massio mobiliser, rester mobilisé pour craser plein de morts racistes. États-Unis, Nations Unies, l'OEA, politiciens qu'on ne sait pas ordonner, avec PHTK, a planifié pour qu'il y ait un système baisé sous CA. Là, on dit qu'il y ait un système baisé sous CA, il y a fait un voltige pour ne pas quitter le système non changé. BAI, mandé massio, sur des civils nationalistes, yo, progressistes, yo, organisations politiques nationalistes, yo, partis politiques progressistes, yo, citoyens nationalistes progressistes, yo, à toute force vive pays, ya, mobilisé pour craser plein de morts racistes, yangui, yo. Dans l'idée, pour faire respecter les revendications peuple haïtien, qui crée, établir une transition coupée par chez, cap mettre base pour craser système pesé sous serre, dans le cadre d'une conférence nationale qui gagne une tête. Vive revendication massive. Vive tout haïtien patriote qui kembe dignité moun yo pour défendre dignité te maman liberté ya. La honte pour konze tigran gou visa job politique qui quitte ventio yo pas entré dans conscience yo. Ou la coûte directeur exécutif BAI, M. Marie-Joseph, n'a signalé pour, en plus que ça, qu'on signe à chanter le capital pays en Port-au-Prince, particulièrement dans la zone Badelma, côté qui a pu se passer, 8 personnes qui mourent avec plusieurs cailles qui boulaient, dans la zone Delma 2, Delma 4, c'est la misère, on y a passé, parce que c'est la terreur, côté gros cousins à chanter, viré tourner, en pile monde perdit la vie, dans la zone ça. Au sommet de la semaine passée, il y a déjà, c'est une grosse tension dans la zone Martissan, Fontamara, et toujours une grosse qui est cassée, dans la zone ça, côté, balle, qu'on signe à chanter,
moun continue à mourir, yo même signalé des chiens, cochons qui a mangé moun dans la rue Port-au-Prince, particulièrement dans zone Matissan avec dans zone Fontamara. Un groupe moun qui était réfugié dans centre accueil Kafouan qui toujours était là, qui a demandé pour qui ça a fait pour yo pour capable retourner la caillou parce que conditions de vie vraiment exécrable. Grand pile professionnel qui jusqu'à présent pour capable rencontrer famille yo à cause gen yo qui t'a travaillé dans capitale pays en Port-au-Prince qui t'a essayé rentrer peut aller dans zone Carrefour, yo pas capable rivier traverser. Donc c'est dans situation tête chargée en haut pas monter en bas pas descendre. Nous sommes juste un dimanche chef CSPN ensemble avec le directeur général de la police là, on a parlé de Léon Charles ensemble avec Claude Joseph, yo même yo t'a font parade dans zone Fontamara, côté à font défiler alors que jusqu'à Coulia tension toujours régné dans zone Gokouza m'a chanté et la rue déserte pas grand quel monde presque qui dans zone. Une situation qui est vraiment compliquée, situation qui est vraiment difficile pour famille dans zone Fontamara avec Matissan, côté d'attendre des criots plusieurs fois qu'a réagi face à la situation ça. Dans le dossier politique, ancien député Antoine Arodo Bien-Aimé qui lance appel pour capable poursuivre mobilisation sur le territoire national malgré autorité reporté date pour te faire référendum là. D'après les populations d'adoré profiter date 27 juin pour capable mettre en bout avec projet ça et puis pour chasser le président de la République Jovenel Moïse une fois pour toutes sous pouvoir ensemble avec toute équipe régime PHTK. Député Arodo Bien-Aimé. Moi, je crois que population haïtienne, date 27 juin, ça, pour nous-mêmes, nous considérons que c'est un madichon que président du gouvernement Sylvina Avel pour les haïtiens, nous devons être mobilisés 27 juin, qui doit être Kimbré, qui doit être arresté, qui doit être fait, qui doit pas faire, qui doit être reporté. 27 juin, nous avons une mobilisation sur tout le territoire national, là, côté, nous tous qui ne pas voulu ça qu'a fait là, nous devons dans la rue, en interlope. Et s'il le faut pour social coup de clé qui tout fait, le 27 juin ça, nous fait coup de clé pour tout finir à ça, on va vous. Et n'a tenté, n'a fait mobilisation, n'a parlé avec les amis nous, n'a parlé avec membre FND, n'a parlé avec membre ENAYO, n'a parlé à classe politique, la société civile là, les enseignants, les auxiliaires infirmières, la police, tout le monde qui estimait que ça là, il dérangeait yo, il n'est pas bon pour bien-être petit, bien-être pays là. Yo doit poté bourré 27 juin nous font seul poté bourré et puis nous tout faire référendum là pour yo ça pas intéressé nous que yo annulé ça pas intéressé nous que yo dit reporter date ça qui plus important pour nous 27 juin ya, nous doit tout monde doit font poté collé pour nous font poté bourré nous tout fin à bagaille ça nous tout faire pour yo yo te veut faire le reporter nous même nous tout faire pour yo pour pas jamais parler de bagaille ça encore mais ça nous pas ba autant pour même parler de lui encore. Tout le monde qui est dans la rue, nous poté bourré, on seul poté bourré lié, on seul poté collé, 27 juin, nous tout faire bouillon. Vous avez écouté, député Arodo Bien-Aimé. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché, écoutez, qui a attendu des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous, son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.